Donc je fais un petit rappel. Bon, la plupart d'entre vous connaissent Jean Narboni, mais bon, je pars du principe qu'il y a des personnes aussi qui sont là et qui sont voilà, qui ne vous connaissent pas. Donc vous êtes historien, théoricien et critique de cinéma. Vous avez été co-rédacteur en chef des cahiers du cinéma avec Jean-Louis Comolli dans les années 60-70. Vous succédera Serge Danet au cahier en 74. Quand vous êtes au cahier, vous fondez vous dirigez les hors-séries et les éditions d'ouvrages en coédition avec Gallimard. Vous avez enseigné le cinéma à l'Université Paris 8. Vous avez dirigé le département d'analyse de films à la FEMIS. Voilà, parmi vos publications, il y a des écrits sur Jean-Luc Godard, sur Romère, Jean Renoir, sur Narouzé récemment, sur un des derniers films de Bergman, entre autres. La liste n'est pas exhaustive. Et là, on vous accueille cet après-midi pour venir parler de ce super bouquin sur le cinéaste américain Samuel Fuller aux éditions Capricci, qu'on salue en passant. Donc, c'est un livre passionnant parce que Samuel Fuller, donc je vous laisserai faire un petit rappel, mais c'est un cinéaste assez hors norme. On a vu certains de ses films, ou parfois on n'en a pas vu, mais on en a entendu parler. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui parlent de Samuel Fuller et qui connaissent pas forcément, mais qui associent ce cinéaste à un cinéma très très percussif, violent. Le mot violent revient souvent. Un film un peu de mec, parfois taxé de misogynie ou d'anticommunisme, bon, beaucoup de choses. Et c'est ce qui constitue aussi les entrées de votre ouvrage de manière très, très agréable. Et ça nous permet de visiter la filmographie de Fuller, 22 films. Des films comme on va voir des extraits, donc le déroulé que je rappelle rapidement, je rappelle ça rapidement. Jean, vous parlerez de Fuller pour faire un petit rappel, et puis on passera 6 extraits de films que vous analyserez, qu'on décortiquera, et puis évidemment vous pourrez poser vos questions, et puis on est là pour échanger. Donc voilà, je vous donne la parole peut-être. Jean, peut-être pour nous dire déjà, première question, quand est-ce que s'est passée la première rencontre avec Fuller, c'est-à-dire le premier film que vous avez vu déjà, et je sais que vous l'avez rencontré, vous avez fait un livre d'entretien avec lui, donc quel est le bonhomme? Les images qu'on en a, c'est un type avec ses cheveux blancs, son gros cigare, sa chemise ouverte. Voilà, c'est un parcours quand même totalement atypique. Un petit rappel, mais que vous faites dans votre ouvrage, c'est quelqu'un qui est très jeune et reporter, à l'âge de 12 ans, 14 ans, qui écrit énormément. C'est quelqu'un qui a fait le débarquement de Normandie, qui a été militaire. Donc tout ça, vous le rappelez dans votre ouvrage, mais c'est une vie assez incroyable et des films comme ça qui accompagnent et puis qui revisitent aussi ce passé, ces années de formation. Jean, je vous donne la parole. Oui. Je peux parler sans. Mais non, on enregistre. On enregistre, bon, c'est pour ça. Le premier film que j'ai vu, c'est à Alger, sans doute avec Jean-Louis, au début des années 60, c'est Verboten. C'est un début fracassant, parce que le début du film est fracassant, comme souvent les ouvertures chez Fuller, mais là, ça l'est particulièrement. Voilà, donc ça nous a immédiatement frappé. Ensuite, la lecture des cahiers nous a alerté sur le personnage de Fuller. Ensuite, je l'ai rencontré au milieu des années 80 à Los Angeles, à Hollywood. J'ai fait sa connaissance. Il s'apprêtait à venir à Paris parce qu'il y avait eu cette affaire terrible autour de White Dog, qui avait été accusé de racisme. Chien blanc, son dernier film, qui adaptait de Romain Gary. Et il était très ulcéré, puisque la maison de production avait refusé de sortir, craignant des troubles, etc. Et il était venu à Paris. Donc, il est venu en 82 à Paris avec sa femme et sa fille, avec l'intention de faire un film. Et il est resté pendant 13 ou 14 années. Voilà. Donc, en 85-86, avec Noël Film Solo, nous avons fait un livre d'entretien avec lui. Il y a une histoire assez drôle, parce que
On l'avait rencontré au moment de la sortie de ce Big Red One, hein, et on lui avait dit, voilà, bon, les cahiers du cinéma sont prêts à publier quelque chose de vous, est-ce que vous accepteriez d'écrire votre biographie ? Il a dit, je déteste ça, les biographies, on a toujours l'impression que, votre autobiographie, on a toujours l'impression que c'est avant de mourir, puis c'est toujours ridicule. Bon, il a fini par en faire une, puisqu'il a un troisième visage, mais il nous avait dit, regardez par exemple Shirley Temple, enfant génial du cinéma américain, a écrit une autobiographie à l'âge de 12 ans qu'elle avait intitulée My Life. Donc, à 12 ans, c'est déjà un petit morceau de vie. Donc il était très hostile à la notion d'autobiographie. On avait celui d'entretien. Et puis voilà, ensuite... Comment ça s'était passé ? Comment ça se rythmait ? Trois fois par semaine, pendant 3 ou 4 mois, chez lui. Il habitait à Saint-Philippe-du-Roux, la rue de la Baume. Et voilà, à raison de 2 heures le matin, 3 heures l'après-midi. Et ça a duré pendant 3 mois, je crois, au printemps 85. Et puis voilà, ça a donné ce livre. Et la personne, la personnalité, physiquement, comment est-ce Il était comme son image, voilà. C'est-à-dire que ce qu'on dit de lui ressemblait à ce qu'il était. C'est-à-dire qu'il était le matin, déjà, l'œil clair, costume blanc immaculé, son cigare. On parlait pendant 1 heure avant de commencer à enregistrer, en buvant un peu de café, et puis ensuite il parlait comme on le connaît, de façon intarissable, très précise, avec une mémoire de cheval, et puis très sympathique, très ouvert, jubilant, mimant, faisant corps avec son discours. C'est ce que j'essaie de dire dans mon livre, c'est quelqu'un pour qui le corps fait partie, intervient de façon très violente, très constante dans ce qu'il dit. Donc c'était aussi des scènes de théâtre. Il mime, il vous interpelle, il joue les scènes en disant « Oui, toi, Noël, tu es à cet endroit sur Omaha Beach, on te dit ça. Et toi, Jean, tu dis au capitaine Nantel, en mimant, en vous interpellant, en riant. C'était très impressionnant. Quelqu'un de joyeux. Ah oui, tout très, très joyeux, très, très sympathique. Très sympathique, très, très, très petite taille, mais d'une énergie incroyable. Il avait quel âge en 84? Il est né en 11 ou 12, il y a eu une discussion autour de ça, ça fait donc... 63, voilà. Alors, il y a quelque chose qu'il faudrait préciser, parce que très souvent c'est dit... Bon, jeunesse de journaliste copy boy, puis journaliste quittant ses études très tôt, apprenant la vie dans la rue, quoi. Donc oui. Ensuite, reporter criminel... D'abord à New York, puis parcourant les États-Unis, puis San Diego. Romancier, scénariste, premier séjour à Hollywood avant la guerre, puis Pearl Harbor, engagement dans l'armée américaine, 3 débarquements, l'Algérie, la Sicile, la Normandie, ouais. La campagne... En tant que reporter et militaire. Militaire, oui, oui. Militaire, il a refusé d'être considéré comme un reporter de guerre ou un correspondant. Ce qu'on lui proposait, il voulait être sur le front, il était dans l'infanterie, deuxième classe, où ensuite il a fini caporal. Et il avait découvert d'un camp de concentration en Tchécoslovaquie, Falkenau, qu'il a filmé avec une petite caméra que sa mère lui avait envoyée. Mais il faut préciser quelque chose, parce que très souvent, on dit « oui, il a eu une existence tellement mouvementée que ça ne pouvait être que génial ». Ça n'est pas tout à fait vrai. On peut avoir une existence très mouvementée, avoir fait 3 guerres et avoir connu des aventures sans avoir le moindre talent. Et on peut très bien rester dans sa chambre ou dans sa mansarde toute sa vie et avoir du génie. Donc, il faut, chez lui, son expérience de journaliste et de combattant ont nourri son œuvre, mais ça ne garantit en rien le génie qui lui est propre. Voilà. C'est très souvent, l'un entraîne l'autre obligatoirement. Non, on peut rester toute sa vie cloîtrée dans sa chambre et écrire un livre sublime. Et en même temps, présent à Hollywood, avec une histoire d'amour et une histoire d'amour-haine avec Hollywood, refusant les mondanités. Vous citez. Il n'aimait qu'écrire. Voilà. Il aimait être seul avec sa machine à écrire. Voilà, il n'avait aucune. Il raconte une anecdote avec Howard Hawks qui lui dit, tu sais, à Hollywood, il faut un peu jouer au tennis, aller dans des cocktails, parler à des gens. Et lui dit, non, moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Je n'aime pas les aller modalités, chasse, socialiser, et... m'emmerde profondément. Voilà ce qu'il Donc, ce qui l'intéressait, c'était d'écrire. Il y a des chez lui, enfin, Samantha, sa fille. Le monte dans son film, il y a des dizaines de scénarios non tournés qui étaient écrits par lui. C'était
un inventeur, un conteur, un narrateur. Et votre livre est très bien parce qu'il y a ces entrées, le conteur où vous racontez ces entretiens, ce bavard assez intarissable, et puis il y a toutes ces portes d'entrée qui nous font revisiter ces films et les polémiques aussi, le rapport, on va montrer peut-être l'extrait de Naked Kiss, mais le rapport à la violence, Fuller et la violence. Voilà, donc il y a une image de marque de Fuller. Bon, on dit violence, synonyme Fuller. Bon, c'est vrai, mon livre n'a pas du tout voulu contrecarrer un certain nombre d'idées reçues. Comme disait, je ne sais plus qui, Jean Paulhan, les idées reçues, les clichés sont souvent vrais. Quoi. Donc, sur Fuller, c'est vrai, la violence. Mais pas comme on l'a dit souvent, pas autant, pas aussi gratuit, pas du tout gratuite. Donc, les aspects visibles de Fuller sont parfois fondés, mais j'ai voulu montrer aussi un Fuller plus secret, plus invisible, plus nuancé, et j'ai choisi des extraits qui sont un tout petit peu sur ces deux volets, c'est-à-dire qu'on va commencer par la première scène, qui est l'ouverture de Naked Kiss. Qui est pourquoi ce titre, cette traduction, la catastrophique, la police spéciale? C'est idiot, ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. Police spéciale, ça n'a aucun rapport. Ouais, ouais. Autant ordre secret aux espions nazis pour Verboten, c'est idiot, mais bon, il est tout de même question de nazis. Là, il n'y a rien à voir avec ni la police, ni la spécialité, ni la police spéciale, ça n'a aucun rapport. Et donc c'est un film qu'il a fait après Shock Corridor, donc en 64, qui a été très mal reçu, qui a un peu marqué la fin de sa première période féconde, après quoi il a eu beaucoup de mal puisqu'il n'a pas fait de film, à part Shark qui n'est pas bon, et puis des films de télé. Il a fait son grand film de guerre en 80, donc il s'est passé 16 ans entre Naked Kiss et The Big Red One. Et voilà, alors quand on dit Fuller, y compris pour des gens qui n'ont jamais vu un film de Fuller, ah oui, l'ouverture de ce Naked Kiss, qui évidemment est fracassante, qui correspond à une vérité de Fuller, mais qui est un aspect de Fuller. Donc j'ai voulu montrer la scène la plus mémorable, la plus connue, la plus violente, mais enfin une des plus brillantes ouvertures qu'on connaît. Parce qu'il y a la violence en propos, mais c'est surtout la forme aussi, le montage, les plans. Bien sûr. Peut-être un petit pitch de The Naked Kiss pendant que je prépare l'extrait. Un résumé peut-être d'une présentation de The Naked Kiss pour ceux qui n'auraient pas vu. C'est un film très, très, très risqué d'abord. C'est le film le plus dangereux de Fuller, puisqu'il est à la limite du sublime et du ridicule. Si on a l'esprit fort ou qu'on a envie de mettre en boîte, c'est un film très facilement attaquable, alors que d'autres films de lui, bon, on les aime, on les aime pas, mais on peut pas avoir une attitude de dérision envers eux. Celui-là, oui, on peut trouver ça au-delà du mélodrame. C'est l'histoire d'une prostituée qui, au départ, se débarrasse assez violemment de son souteneur, comme vous allez le voir, qui va dans une petite ville en espérant un peu se faire oublier, mais en continuant ses activités, qui un jour s'aperçoit qu'elle commence à être usée, fatiguée, et qui devient une sorte d'infirmière extrêmement dévouée dans un institut avec des enfants qui recueille des enfants très gravement handicapés et qui devient une sorte, enfin c'est la sainte putain quoi, qui tout à coup devient une sorte d'infirmière d'un dévouement extrême. Elle rencontre une sorte de prince charmant d'une grande lignée de cette petite ville, c'est le grand amour avec rêve de Venise, entente parfaite, partage culturel, etc. Et elle s'aperçoit un jour que c'est un pédophile et qu'effectivement il comptait sur un mariage avec une ancienne prostituée pour fomenter des recherches d'enfants. Enfin, elle le tue, voilà. Donc avant de mourir, avant qu'elle lui dise c'est formidable, je savais que tu étais balsaine, moi aussi, nous sommes malades tous les deux, nous allons mener une vie sublime, après nous être mariés, etc. Donc elle est accusée, évidemment, ancienne prostituée, d'avoir tué le fils de famille de la ville, et finalement l'enfant est retrouvé, enfin il y a beaucoup de choses qui se passent, et finit par avouer que son futur mari était en train de la caresser. Mais la petite ville reste très bigote, et elle repart comme ça devant une foule muette, elle quitte la ville et ça finit comme ça. Alors là, c'est le début qui évidemment est assez inoubliable. Là-bas.
Allez-y, Jean. La parole de ma... Oui, donc voilà, c'est la scène emblématique, Fuller, voilà, c'est ça. Mais pour moi, c'est l'arbre qui cache la forêt, un bel arbre, mais il y a tout un autre aspect de Fuller qu'on verra dans les extraits suivants. Bon, là, Fuller s'est expliqué sur cette séquence. Il a un des plus grands opérateurs de Hollywood, directeur de photo qui s'appelle Stanley Cortez. Et Fuller explique le tour de force, bon, la caméra fixée alternativement sur l'une et l'autre, les coups de poing donnés dans la caméra, puis avec une personne derrière chacun des personnages pour qu'ils ne tombent pas en recevant les coups, Kelly frappant l'objectif, et donc le montage en champ contre champ, très, très percutant, très rapide, avec une musique jazzy, une position basse de la caméra sans nez Cortez pour jouer sur les ombres et la lumière. Donc voilà, c'est la séquence inoubliable. Et puis souvent, dissimule. Et puis il y a ce face caméra, la perruque. Oui, alors oui, évidemment, donc l'humiliation, la femme qui a été rasée par son accro pour être punie pour je ne sais quoi, et qui met sa perruque, qui perd sa perruque, qui la remet. Fuller, évidemment, à penser aux femmes tondues. Ouais. Mais c'était aussi une habitude, semble-t-il, chez les souteneurs qu'il a pu faire. Il a fréquenté beaucoup le milieu des prostituées quand il était reporter, et donc c'était souvent une punition infligée. Enfin bon, c'est un signe d'humiliation par excellence. Le rapport les rôles de femmes dans les films de Fuller, peut-être en dire un mot, où sont des, on va voir Forty Guns par exemple, Barbara Stanwyck, une femme très forte. Bien sûr. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Oui, parce qu'il a eu une réputation de misogyne. Bon, il a vécu longtemps comme un baroudeur macho, misogyne, d'extrême droite, puisqu'il était anticommuniste. Donc on pouvait être que d'extrême droite si on était anticommuniste dans les années 50. Il n'y avait pas de troisième voie ou de position autre, alors que c'était un démocrate jeffersonien revendiqué. Anarchiste. Non, comment est-ce que vous dites démocrate jeffersonien revendiqué tendance... avec un peu avec des penchants anarchistes. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais donc j'ai un peu insisté sur des personnages de femmes qui sont chez lui très très souvent très intéressantes, puisqu'elles commencent de loin, même parfois très bas, et qui deviennent de plus en plus importantes quand le film avance, et qui souvent sont le personnage positif du film. Oui. Dans Pick Up on South Street, à le port de la drogue, le personnage de Jean Peters, bon, elle a souvent été éclipsé parce qu'on pense à Richard Widmark, à la vieille dame, à l'indicatrice Thelma Ritter, mais le personnage de Jean Peters, c'est très très intéressant, cette pauvre fille comme ça, un peu aventurière, et qui peu à peu découvre l'amour, accepte quasiment d'aller dans des missions suicides pour protéger le type qu'elle aime. Et dans tous ses films, évidemment dans celui-là de façon éminente, puisque c'est le personnage principal, mais dans tous ses films, les personnages de femmes sont extrêmement intéressantes et vont plutôt vers la lumière, alors que très souvent elles partent de très loin. Cette comédienne en particulier, on l'avait déjà dans Choc Corridor. Constance Owens, on la joue dans Choc Corridor, et c'est une actrice qu'on trouve chez Ford aussi. Et qu'il a choisi, c'était ce type. Il a choisi, il disait, je voulais une femme grande, belle, pas sexy, mais belle, voilà, et assez, assez forte, physiquement aussi. Ouais. S'il y a des réactions, voilà, profitez-en. Hein. Une fois, si vous souvenir de Naked Kiss, peut-être. Je prépare le second extrait. Donc là, toujours en hypervisibilité Fuller, c'est-à-dire ce que tout le monde reconnaît, qui est vrai, mais qu'il faut peut-être compléter, c'est les mouvements de caméra. Alors tout le monde dit la mise en scène baroque, les mouvements de caméra extravagants, ça part dans tous les sens, Fuller s'est déchaîné. Là, il y en a un qui est extraordinaire, c'est dans Forty Guns, donc, qui avait 40 tueurs, où le personnage principal, c'est une femme qui a un harem, enfin, je ne sais pas si on dit ça pour des hommes, elle a 40 hommes qui l'entourent, c'est une femme habillée en homme, qui dirige un domaine d'une main de fer, la femme au fouet, etc. Et donc, à un moment, il y a un tour de force. Alors, il y a deux aspects. Tout le monde a relevé le tour de force, et d'ailleurs, Fuller, quand il parle à un certain type d'interlocuteur, va dans ce sens.
C'est le plus long travelling qui ait jamais été fait à la Fox. Donc, on a reconstitué une petite ville de l'Ouest qui s'appelle Tombstone. J'ai fait mettre des rails pour ce film, parce que la Dolly Chapman pouvait bouger sur un sol qui était irrégulier. Donc, le mouvement de caméra est absolument insensé. Et on peut le voir comme un pur tour de force, c'est-à-dire virtuosité, ce qu'il est. Donc on commence avec les deux frères, ce trio de frères. Donc ça commence dans une chambre d'hôtel entre deux frères. Ils sortent de la chambre, le travelling commence dans la rue, ils traversent toute la ville, le troisième frère arrive, puis le shérif, ils parlent, etc., en marchant, puis ils arrivent à la poste, on croit que c'est fini, il y a une discussion autour de la poste, ils envoient un télégramme, et on croit que c'est fini, et ça continue, on voit les 40 guns là, déferlant en ville, dans un fracas de poussière, et tout ça dans le même plan. Alors, quand ils parlent avec des gens qui sentent que ce qu'ils aiment, c'est la performance, Fuller dit oui, le plan fait 5 minutes 23, etc., sans coupe, et puis j'adore, en général, que les filmer de très longs plans, en passant d'un personnage à un autre, il faut une grande tension, on répète pendant toute une journée, parfois deux jours, et ensuite on tourne, et là, la moindre erreur, soit technique, soit dans le jeu, peut être catastrophique, donc cet acteur va haïr l'autre parce qu'il a fait une faute, et il dit quelque chose, et ça on le voit d'ailleurs dans le plan. Faites très attention à un moment, il dit, les voix changent au bout de 5 ou 6 minutes, tout à coup, c'est pas le même timbre. Et là, c'est très intéressant, vous remarquez le shérif, qui est un peu plus âgé que les trois frères, au bout du travelling, il est un peu essoufflé quand il parle. Quand on connaît bien le film, enfin bon, vous verrez, faites attention, à un moment, il a du mal à parler. Alors là, c'est aussi, comme la première scène, hypervisibilité-violence, hypervisibilité-mouvement de caméra. Mais ce qui est extraordinaire, et là Fuller en parle quand il parle avec des gens qui connaissent bien son cinéma de l'intérieur, la mise en scène, bon, il l'a fait avec Sim Solo et moi, il n'en parle plus du tout en termes de performance, il parle en termes d'acteurs. Donc ce qu'il veut obtenir des acteurs, et là, c'est tout de même extraordinaire. Les deux frères, puis le troisième, puis le shérif, puis le postier, etc. Là, tout à coup, je comprends pourquoi les gens de génération, Jean-Louis, Marc, etc., On a été fou du cinéma américain parce qu'ils savaient à la fois parler, marcher, avoir 10 activités en même temps, et puis ils étaient sexy, quoi. On avait des acteurs français qui étaient très bons, mais ils n'étaient pas sexy, quoi. Bernard Blier, Harry Bord, même Gérard Philippe. Voilà, donc c'était ça. Et là, on a tout de même des acteurs pas du tout connus, à part Barry Sullivan, les deux frères. Ce sont des acteurs pas du tout célèbres. Et ce qu'ils font, la façon de marcher, de parler, de se regarder, de sourire, est quelque chose que seul le cinéma américain, à l'époque, pouvait faire. Quoi. Enfin, pour nous. Hein. Bon, voilà, c'est quelque chose. Hein. Donc, est-ce que vous avez des commentaires, des questions? Mais la scène ici, elle présente déjà énormément de choses. Oui. En quelques minutes, on comprend tout ce qui se passe dans la ville, les rapports de force. Ce shérif qui est très louche, on doit apercevoir qu'il est à la fois amoureux de Barbara Stanwyck, mais sans espoir, qu'il est complètement malhonnête, assez peureux. Les trois frères, le frère aîné. On les identifie, on identifie la hiérarchie et la tension dramatique du film aussi. Tout à fait. Ensuite, comme avant, il y a une scène précédente où en marchant de façon impressionnante, il arrive à désarmer un petit voyou qui est le frère de Barbara Stanwyck. Donc le postier lui dit, vous avez marché comme ça, parce que c'est un ancien shérif célèbre pour sa façon de marcher. La scène du duel est incroyable, celle qui précède. Une grande partie de Sergio Leone vient de la scène précédente. Et puis voilà le père qui a été dans l'armée, et puis tout à coup, au moment où on croit que le plan va finir, la tension retombe, tout à coup apparaît la,
la bande des Fortigans. Qui fait écho à l'ouverture du film aussi, où on voit les Fortigans qui descendent de cette colline. Comme une sorte de... Complètement. Ouais. Mais ce que je trouve fabuleux, c'est la façon dont ils marchent, dont ils, les répliques s'échangent, dont ils se déplacent. Le filmage permet à Fuller de mettre à l'épreuve les acteurs. Quoi. Complètement. C'est-à-dire, effectivement, avec les deux qui marchent plus vite, l'autre oui, qui l'autre fatigue, qui est un peu plus etc. Et qui vient et tout. Il y a un côté comme ça, on disait accent de vérité à un moment donné, au cahier oui. À propos de ça. C'est vrai, il y a quelque chose qui sort des corps et qui vient de la manière de filmer. Ouais, ça qui est très surprenante, qui n'est pas obligatoire. On se demande pourquoi tout ça et tout. Et finalement, on a la réponse à la fin, puisqu'il s'agit de nous emmener aussi avec les 40 heures qui rentrent dans la ville, l'appel hors champ, le changement complètement d'axe. Et moi, il me semblait, dans mon souvenir, qu'on revenait sur les tueurs, que la caméra revenait sur... Non, on reste sur... Donc, réduire ça au plus long travelling de l'histoire de la Fox, etc., c'est limité. C'est réducteur. C'est pas faux, mais ça ne dit rien de la tension apportée par les acteurs, les corps d'acteurs, les gestes d'acteurs. Enlever sa veste, se faire signe, les connivences de regard, ça pourrait être analysé pendant des heures, photogramme par photogramme. Moi, ça m'impressionne beaucoup, mais c'est le Fuller hyper visible. Mais encore une partie de la visibilité seulement, quand on dit... Et lui va dans le sens... comme il a le sens du spectacle, quand on lui dit « Ah oui, il fait 6 minutes 23, ah oui, j'avais une grue spéciale », mais ça ne se limite pas, ça. Donc j'ai essayé de montrer en quoi ça ne se limite pas à une performance technique ou à une recordite, là, comme dit Moulet, la recordite aiguë. Par rapport au genre du western, sans trop élargir, sans trop se perdre non plus, mais qu'est-ce que Fuller apporte avec ce film? Pourquoi on a l'impression de voir c'est un film c'est un western, western crépusculaire. On est à la fin, on est en 60, le grand western classique est terminé depuis longtemps, il ne va plus en avoir beaucoup. Et là, le film, d'abord, est en noir et blanc. Je ne sais pas si c'est la raison pour laquelle il fait le film en noir et blanc, mais tout au long du film, le shérif, le personnage principal, et Barbara Stanwyck sont donnés comme des personnages dépassés par l'histoire. C'est fini, les grands domaines avec concussion, escroquerie, et puis les shérifs, à un moment, il dit « je suis un freak ». Voilà, ouais. Donc le film est très tardif. Alors il n'y a pas de critique théorique ou de métafilm sur la mort du western, mais c'est tout à fait donné comme un monde qui prend fin. Ouais. Et vous parliez de Léon, comment, qu'est-ce qu'il a... La scène précédente, les gros plans. Mais les héritiers, qui va s'emparer de ça aussi de cette... Beaucoup Léon, Tarantino en partie, mais beaucoup Léon, en particulier la scène de la marche du buffle, puisqu'il appelle ça comme ça. Il y a quelque chose de très intéressant parce qu'il est très. C'est un autodidacte, mais il était savant. Là, j'insiste dans mon livre sur ce qu'on apprend dans ces films. Il voulait qu'on apprenne des choses dans ces films. Oui, vous en parlez. Et par exemple, il dit les tueurs, on dit toujours oui, il est mort à 24 ans, c'est complètement faux. Dans l'Ouest, il mourait très vieux. Et quand il fait la marche du buffle, c'est pas du tout héroïsé parce qu'il est plus fort que les autres. Il dit chaque fois qu'il y avait un affrontement, ils étaient couverts. Or là, on voit très bien que quand il marche vers le petit son tueur, son frère est là, et si quelque chose se passe mal, c'est lui qui va abattre l'autre. Et il vivait très vieux, parce que, contrairement à ce qu'on croit, c'était pas des héros qui arrivaient en tirant plus vite que l'autre. Dès qu'il y avait danger, ils étaient couverts par quelqu'un. Et là, on le voit très bien dans le film. Mais ça passe tellement vite, comme il n'insiste pas, on ne comprend pas très très bien que c'est systématique. Quand il y a ensuite le guet-apens un peu plus tard... pardon. Il y a aussi la même chose, quoi. Toujours quelqu'un couvre quelqu'un, et comme là, celui qui le couvre est en défaut, c'est le troisième frère dont il veut qu'il devienne fermier et qu'il ne soit pas un gunfighter qui finit par le tuer, qui dit « tu vois, si je n'avais pas été là... » Donc c'est une deuxième couverture. D'accord. Ça, c'est quelque chose qu'on apprend chez lui, parce que dans aucun western, on voit les héros, l'homme des vallées perdues, il sait mieux tirer que l'autre, et puis c'est le plus fort. Il n'y a pas ça chez lui. Et encore une fois, personnage féminin, Barbara Stanwyck, qu'on ne voit pas. Oui, là, c'est presque la caricature inverse. Qui a la tête de ses 40 guns. Oui, qui fait un chèque à son ancien amant en disant « je ne veux plus de toi ». Ok. Je ne me souviens pas. Je ne sais pas. Je ne me souviens plus si on lui a posé la question. Je ne sais plus. Je ne sais pas.
Quel regard lui avait sur ses films quand il les revoyait? Il y en a qui préféraient plus que d'autres. Son film préféré, c'est celui qu'il a fait sur la presse, qu'il a produit, qui a perdu de l'argent, que tout le monde, personne ne voulait faire avec lui, même Zanuck, qui lui disait non, ça marchera pas. Il a produit en grande partie, il a perdu de l'argent, il en est très fier et il dit par cross c'est moi. C'est son film préféré. On passe à Pick Up on South Street. Là, donc, on passe sur le versant plus secret, c'est-à-dire la même chose mais invisible. C'est-à-dire que là on a le mouvement de caméra hyper visible, même si on ne voit que superficiellement, on ne peut pas ne pas voir qu'il y a un mouvement assez extraordinaire. Là c'est le contraire, il explique très bien dans le livre qu'on a fait avec Sim Solo. Donc aussi parfois je fais des plans très longs. Il peut très bien monter très court, hein, comme on l'a vu au début, des champs contre champs très, très rapides, très violents. Mais il avait une préférence pour le plan long, et il aime beaucoup, et là il y en a des exemples multiples, on ne les voit pas, c'est invisible, imperceptible, des plans très très longs dans des intérieurs, souvent dans des bureaux, avec des déplacements très très souples, très discrets, où on passe d'un personnage à un autre, on passe à un deuxième groupe, il y a un petit mouvement de recadrage, et ça, il adore ça, il le fait très bien, mais ça ne se voit pas, sauf quand on a l'habitude ou quand on attire votre attention là-dessus. Et là-dessus, il est très précis, hein, il le dit. C'est à ce propos qu'il dit, voilà, alors là, il mime, hein, pour reprendre l'idée, il mime, alors toi, Noël, par exemple, là, tu vas devant, et puis après, Jean te parle, alors je me rapproche de toi, tu es hors champ, mais en même temps tu fais quelque chose et puis je te rattrape. Et là, il y a une scène qui est donc dans le port de la drogue, enfin, un film anticommuniste, mais qui est sorti sous film. On a transformé l'anticommunisme en histoire de drogue parce que le Parti communiste était très puissant en France et les distributeurs ont eu peur de manifestations. Donc là, c'est une scène au commissariat où elle, qui est une indicatrice, mais qui aime beaucoup Richard Widmark et le pickpocket, est interrogé pour dire que possiblement qui est ce pickpocket qui a volé le microfilm à l'actrice principale. Donc elle arrive dans le commissariat, il y a le commissaire Tiger qui est une sorte de brute qui veut la peau de Richard Widmark, qui est un pickpocket notoire, mais un type du FBI, parce que sur des microfilms comme ça, la bombe atomique ou je ne sais quoi, on s'en moque complètement, mais enfin, c'est censé être très important du point de vue des formules. Et ils savent qu'elle est... Le type du FBI se fait un peu tirer l'oreille, parce qu'il le côté frayé avec des gens de la PEG ou des indicatrices, c'est pas très bien vu, mais le commissaire le persuade. Donc ils font appel à cette actrice magnifique là, qui s'appelle Thelma Ritter, qu'elle essaye de repérer parmi les milliers de pickpockets qui se trouvent à New York, quel pourrait être celui qui a volé le sac, enfin le portefeuille de l'actrice dans les scènes précédentes. Et là, il y a un très long plan avec des mouvements de caméra très souples, très discrets, des recadrages, et un plan très très long qui évidemment ne saute pas aux yeux comme le précédent, et qui est ce versant plus secret de Fuller, moins connu. Voilà, très bien. Is it my fault if the cost of living is going up?
These are the prices as of this morning. When the cost of living goes up, my prices go up. When the cost of living goes down, my prices go down. In my book, the price... Exemple, il y en a d'innombrables dans ces films qui évidemment sont assez imperceptibles. Quand on est pris par l'action, on ne voit pas, mais là c'est très clair. Alors, ça tient également à l'abattage des acteurs. Il faut avoir des gens sur qui on peut compter pour pouvoir tenir la route de ces plans, avec ces recadrages très discrets, ces mouvements très, très souples. Très limité, des entrées, des sorties, des 2, 1, 1 plus 2. On en a dans presque tous ces films, mais ceux-là, évidemment, sont moins dans la mémoire que le grand. Pour le plan de la drogue, on pense aussi à la scène d'ouverture parce que dans le métro, il y a cette séquence de pickpocket. Oui, oui. Et on voit qu'il n'est pas dogmatique non plus dans les propositions formelles qu'il fait, où là, il y a beaucoup d'insertes. Bien sûr, il peut très bien filmer la scène d'ouverture, c'est comme le début de Naked Kid, c'est pas aussi violent, mais on a une filature, on a une fille qui est dans le métro, Jane Peters, elle est suivie par deux agents du FBI, c'est filmé c'est monté très court, on ne sait pas très bien qui regarde qui, et puis tout à énormément coup, de sensualité, de désir. Voilà. Ensuite, Widmark arrive du fond du plan, et puis se glisse contre elle, et puis va subtiliser son portefeuille dans son sac. Elle ne sait pas qu'elle transporte des choses. Elle travaille pour son ancien amant, qui est un petit voyou, agent de liaison avec des communistes, mais qui n'est pas du tout idéologue. Mais elle est embarquée dans cette affaire. Et puis là, bon, là-dessus, se double aussi une histoire assez sensuelle, parce qu'elle est contre lui. Et bon, elle est là, elle est un peu troublée par sa proximité. Bon, en ce moment, c'est pas trop à l'ordre du jour, la question des frotteurs de métro. Enfin, bon. Oui, c'est ça. Visiblement, ça un film qui se... plutôt elle qui est là. Il y a quatre qui sont en contre-champ, elle est troublée. On peut revoir la scène, si vous voulez. Ah, pourquoi pas, allons-y. Vous n'êtes pas prêt au programme. Il est beau, il est... J'avais insisté sur ce qui se joue là, avec les quatre plans sur elle, la main qui se glisse dans la fente, etc. Bon. Je ne sais pas. Je sais que Manny Farber, à un moment dans son livre écrit sur Fuller, que même Bresson n'arrive pas à avoir cette fraîcheur... Bon, ça discutait, hein, le film de Bresson est magnifique, mais le film de Fuller devait s'appeler Pickpocket au départ, et on lui a dit que non, ça faisait trop européen, je ne sais quoi, mais Bresson n'avait pas encore tourné son film. Est-ce qu'il y a des questions, n'hésite pas. Tout le monde a vu tous ces films. Oh Jeanne, pour arriver jusqu'à toi, quel long chemin il m'a fallu. J'ai eu le sentiment que le cheminement était un peu d'une nature similaire en fait, sur les rapports entre les personnages. L'histoire du cinéma, non, c'est vrai que la coïncidence, là, soudain, oui, est frappante. Quoi. Il y a quelque chose qui est... Et par rapport à ce que tu dis justement de Fuller, qui est le contraire de ce qu'on croyait, enfin de ce qu'on disait jusqu'ici, etc., d'une certaine manière, ça fait que ces deux-là, disons, une vision plus intérieure, au fond, plus spirituelle, peut-être même. Oui, tout à fait. Comme tout ça, tout hein, du monde, et que ça se traduit aussi par des subtil. Sujets. Subtil. Fuller subtil, voilà, c'est quelque chose qui bon, ça n'existait pas. Voilà. On veut bien lui reconnaître l'énergie, la force, mais un Fuller nuancé, subtil, c'est quelque chose d'impensable. Bon, moi, j'ai un peu insisté là-dessus parce que ça me paraît vrai. Quoi. L'extrait suivant va être très, très, très net là-dessus. Non, vas-y, continue. Non, c'était ça. C'est comment, à un moment donné, deux cinéastes qui ne se connaissent pas, qui ne se sont sans doute jamais rencontrés, etc. Non. Mais enfin, l'un est quand même précède l'autre, pas beaucoup finalement. Non. Oui, Bresson a déjà commencé à tourner, etc. Ils sont de la même génération, presque, etc. Et qui filment la même scène, quoi. Ouais. C'est ça qui est. Et chez Bresson, il y a aussi l'érotisme. Bah, bien sûr. Il y a pas du tout pareil. Hein, pardon.
Bien sûr. Beaucoup plus que. Oui, beaucoup plus. Oui, mais voilà, il y a cette dimension dans le film. Quand même, la fille et tout, le Oui, c'est très étrange. Oui. Et on est au. Et pourtant, on est biographiquement aux antipodes. On ne peut pas imaginer plus loin l'un de l'autre que Fuller et Bresson, donc à tous égards. Oui. Jean-Louis. Je trouve ce qui est frappant dans cette séquence d'ouverture, c'est le fait que personne ne doit voir le pickpocket. Or, on ne fait que le voir. Donc il y a un renversement complet de logique, puisque le travail du pickpocket est invisible. Voilà. Or là, il est visible. Eh oui. Et donc c'est une altération, une transgression du code. C'est ça que je trouve tout à fait intéressant. C'est fait pour le spectateur. C'est fait pour. Et bon, Fuller avait tout de même une idée du spectacle. Voilà. Donc, il pouvait être un cinéaste de série B ou s'inscrire dans le cinéma du samedi soir ou des feuilletons à bon marché. Donc il pensait au spectateur. Et là, effectivement, celui qui doit voir le pickpocket, c'est le spectateur. Et elle doit voir simplement un beau mec. Et les types du FBI ne comprennent rien à rien. Et sont concernés quand ils voient partir le. S'ils s'aperçoivent à la fin que le type sort et donc sont décontenancés. Alors, si par tu le. Veux, il y a une sorte de tremblement, d'oscillation. Qui regarde quoi et que le spectateur regarde-t-il? C'est très difficile. Voilà. Au début maintenant on connaît le film, il y a un supposé savoir sur le film. Au début, on ne sait pas parce que non seulement. Les gens, on se demande qui regarde qui, mais comme en plus les deux agents du FBI parfois se regardent entre eux, donc ça désoriente complètement. On ne peut pas penser simplement une relation entre elles et eux. Eux-mêmes se regardent, donc on est perdu. Et puis il y a un moment. Et l'entrée en scène de Widmark est évidemment impressionnante. Il y a un moment où ça bascule, parce que là on est dans le regard du pickpocket, c'est quand on voit le sac en gros plan avec sa main qui fouille à l'intérieur. Voilà, donc on est passé d'une incertitude, d'une indécision, d'un flottement, au contraire à un regard assuré, assumé. Mais Haroun Farhoki, là, le grand documentariste, un hommage à lui, à Beaubourg en ce moment, je ne savais pas du tout, mais on l'a signalé, a écrit une carte de couverture d'un de ses livres là-dessus. Il se trompe d'ailleurs, enfin il a raison, mais il se trompe. Il dit que le premier plan où on voit la main de Widmark s'introduire dans la fente du sac est suivi d'un plan de Gene Peters qui ouvre la bouche d'un air pâmé. C'est faux, c'est pas tout à fait comme ça, mais c'est vrai. Ah oui. Comment dire? Dans Pickpocket, il s'intéresse déjà à elle, en fait. Hein, c'est son intérêt pour la femme est en rivalité avec son intérêt pour le fait d'être une. Dans Pickpocket, son intérêt pour la femme est en rivalité avec le fait de son intérêt pour être un surhomme, mais on sait qu'il s'intéresse à elle, en fait. Ce qui est frappant, là, dans la scène, c'est qu'en fait, il la regarde pour son sac. Tout le monde a d'autres raisons de la regarder. Lui, il la regarde pour son sac. Hein, et tout le film, c'est qu'ils finissent par s'intéresser quand même à elle. Quoi, hein. On n'est pas très loin de Hitchcock. Quoi. Enfin, les hommes ont une sorte de dedain ou de rejet pour les femmes. Quoi, ou n'aiment pas être touchés. C'est aussi ça un peu. Hein, dans l'autre avec Constance Towers. Bref. Dans Naked Kiss, hein, le flic... qui devrait être amoureux d'elle, trouve toute une série de raisons de la rejeter avant de finir par être touché par sa grâce. Malgré, effectivement, hein, toutes les démonstrations de force qu'elle fait au cours du film, etc., hein, il met très très longtemps à tomber, quoi, ce flic. C'est ça aussi qu'il y a dans ces deux films. Hein, des hommes qui ne se laissent pas beaucoup toucher, qui sont pas très très ou qui font toujours mine de pas être touchés, y compris par les sentiments collectifs, hein, le sentiment patriotique, le drapeau, c'est le cas de Widmark, quoi, hein, il a cette fameuse réplique, hein, agitez pas le drapeau devant moi, jusqu'à ce qu'il finisse par avoir une sorte de enfin bon,
de conviction quand même à la fin du film. Quoi. Il est humanisé comme ça. Leur cuirasse d'indifférence ou d'asocialité est brisée par le personnage de la femme. Là. C'est ce que j'ai voulu montrer dans mon livre, c'est-à-dire que tous les parcours, y compris celui qui est sorti à la Filmothèque, là, les bas-fonds new-yorkais, on a une petite crapule de bas étage. Le film est beaucoup moins bien, à mon sens, très inférieur à celui-là. Et le personnage de Cliff Robertson est beaucoup moins intéressant que Richard Widmark. C'est une petite frappe de énième ordre qui ne pense qu'à venger son père, qui était lui-même un petit voyou de piètre envergure, mais qui à la fin est transfiguré par l'amour que lui porte cette fille, alors elle qui est encore plus paumée que celle-là, qui est à la limite de la prostitution, alcoolique, un peu droguée, et qui finit par porter une sorte de lumière qui ébrèche la cuirasse de ces petits voyous. Là, c'est en beaucoup plus ample et beaucoup plus beau. C'est ce qui arrive au personnage de Widmark. Quand elle se fait tabasser pour lui à la fin, qu'elle risque sa vie et qu'il va la voir à l'hôpital et qu'il lui dit « Est-ce que tu vas bien ?», Fuller dit que c'est la plus belle déclaration d'amour qu'un type comme ça puisse faire. Il ne peut pas aller plus loin. Voilà. Et puis, le maximum qu'il puisse faire, c'est de lui dire « Est-ce que tu vas bien ?» Pour lui, c'est la limite d'une déclaration d'amour possible. Il ne peut pas en dire plus. Il est incapable d'en dire plus. On passe au kimono pourpre. Oui, alors là, c'est pour moi vraiment... c'est un des films que je préfère de lui. Parce que lui, il est la contre-épreuve totale de la réputation de Fuller, en partie vrai, mais beaucoup fausse. C'est The Crimson Kimono, donc il n'est jamais sorti en France, mais je crois qu'il existe un DVD. Et alors là, c'est pour suivre dans la conjoncture, c'est l'anti-balance ton porc, à la limite. Hein. Fuller, qui avait la réputation d'être un misogyne, où les femmes se font tabasser, oui, elles prennent des coups, comme dans la vie, par des voyous, par des petits macros, par des types brutaux, mais le point de vue de Fuller là-dessus n'est pas celui des personnages. Et là, on a un film d'une délicatesse, d'un raffinement, avec trois personnages magnifiques, trois acteurs, surtout la fille, dans des milieux sociaux qui n'appellent pas précisément la nuance, le raffinement ou la délicatesse, on a des scènes incroyables de douceur, de ferveur, pardon. J'ai une petite remarque, moi, dans la scène avec Richard Widmark et puis la femme qui porte les loups, moi je la trouve comique, si vous voulez. Moi, aujourd'hui, vu aujourd'hui, je trouve ça drôle. Je trouve pas ça érotique, je trouve ça drôle. Pour moi, c'est pas possible, elle est ridicule. Son air, d'abord son maquillage, d'abord, et puis son air, l'homme s'approche, et alors son air, ça marche pas du tout, mais je trouve ça drôle. Voilà. Pour moi, c'est comique. On sait pas trop, mais elle a la réflexion. Moi, j'ai même l'impression qu'elle ne regarde pas le sang, le blanc, mais elle ne voit pas. Et d'ailleurs, le dernier plan, en fait, où on est sur elle une fois qu'il est sorti, est dans la même direction qu'elle regarde qu'avant, donc pour moi, elle l'a pas vu. Bon, mais c'est peut-être plus. Voilà. Non, mais c'est pour ça. D'ailleurs, même dans le film, si je me souviens bien, quand elle a rendez-vous avec lui, elle ne savait pas que c'était lui. Donc elle ne le reconnaît pas. Oui. C'est peut-être plus en intérieur, effectivement. Par contre, lui, il est fabuleux. donc voilà, c'est le film qui m'a écrit, il a été commis, il est 10 heures.